Bandeko balandi ya émission Mwinda ya Congo na Dalina Sembo makasi lelo ya représenter émission bao bazaki libanda bobenga bango kolo lupango abani musala po ezali musala oyo botinda kabiso to lokela bino ba information na lelo émission Mwinda ya Congo ezali spécial matinée politique ya parti Mumbiste unifié webi parti oyo ekokisi lelo yo 52 ans d'existence ezali deuxième après ANC ya Mandela. Na nguto kolobela matinée politique wana na ko zalanga mokote to zalanga mwana mboka Paul oyo azala toujours habitué na bino na émission to kolobela pe ba chef ba représentant voulais dire ya confession religieuse ba akikuna ko prier a ko expliquer biso mwana mboka Paul pona nini milulu amwe zalaki bana mboka boko landa biso na Bukavu boko landa biso bisika nyoso bozwami. Mwana mboka Apollo akoya kokote la biswa wa mwana mboka Apollo mbote mbote de quoi non boni santé ok très bien boni parti Mumbiste unifié zali kitoko tro ok zali kitoko tro wana maloba ya mwana mboka Paul Kainga zali chargé à communication ya secrétaire permanent et porte-parole du parti ye azalaka toujours azape éditeur ya magazine Regard sur l'environnement. Na yango na esabino na ebandelier ke tukulobela mabi matali matinée politique ya parti Mumbiste unifié. Mwana mboka Paul tomonaki na siège ya parti Mumbiste unifié matinée politique ya munene oyo esalemaki wana okoyebisa biso awa ezalaki mpona nini matinée politique wana. Bon, exactement, merci pour l'opportunité au PC. Matinée oyo esalemaki dimanche passé ezali suite. Ils allaient suite la décision et fait les hommes qui le dimanche 22 janvier. La patriarche Antoine de Blinga a signé qui ils allaient qui a décrété qui pratiquement administrative générale. C'est-à-dire à l'imbissa qui va tout nion sort la décision on a au balongo na parti au bazoka peut-être les tumbo songolo bango nion sort à l'imbissa qui bango donc à zongi sa qui bango va y au côté à zongi na bergerie autobengi parti le Mumbiste unifié. Voilà, il y a Miloulou, il y a dimanche, il y a samedi passé. Il y a matinée politique, il y a tout ça samedi passé. Merci, Walez Ali, Malba, Mwanamboka, Paul Kainga. Nayango, télévision, Ezali, Radio T. Toko Landaliboso, entrée, il y a cadre, il y a parti le Mumbiste unifié. Pour moi, il y a la Kiwana. Toko Landaliboso, il y a militant, il y a cadre, il y a Kotaki, il y a. Siège à partir du Mumbiste unifié où ils allaient situer na pour Matete pratiquement na commune ya Matete au kuna makambo ezala ki donc ba militants ba ki ebele bola ndandenge ni ba konzi ba kota ki sima tuzunga wa to continue mission na biso. Thank you.
Merci. Bon, à l'église, les camarades de Blanchard, à Sakumuna, à Sakumuni, c'est notre zone, télévision, ma zone. Ma bombe est pour Ganaté. Lumumba. En tout cas, coup de chapeau, on a des militants, il y a parti lumumbiste unifié. Mais en gros, matinée politique en gros, et bandaki, moi, dans mon cana, prière, tout le monde est sous palu, et comme église, tout le monde a pasteur, tout le monde a chef, il y a nani, tu as Dieu des Noirs, il y a un musulman, ils allaient sous une église, sous ce Fungwamaki ou bien. Non, c'est église et Fungwamaki. Mais ceux qui présentent, c'est à Bassel, il y a des hommes de Bazalakiwana, il y a l'église, la confession religieuse de Bazalakiwana. Il faut y aller par l'amnistie et le général qui décrétait par Patrice Antoine Bizeng. Ils ont encore la pardon. Donc, alors il a fallu prier les hommes. Oui, mais d'ailleurs, spécialité, il y a décision, c'est qu'à signer qu'il y a un dimanche. C'est-à-dire qu'on a extraqué à l'indice qui parle dans les unions. C'est comme ça que pour nous matérialiser un mot. Et Sengeli, le jour où mon matinée politique est exceptionnelle, il y a qui l'union totale. Et moi, dans mon cas, Adolphe Mouzito, il y a qui est suspendu, il y a qui est concerné, il y a qui est suspendu. Alors, il y a qui comprend pour matérialiser, pour l'acquisser, pardon, il y a qui est en haut, Oui, mais il faut aller impliquer. Pour nous, c'est ça, il faut pas aller impliquer. C'est normal, non? Mais pour les alliés politiques, il y a un mot qui est laïque. Mais écoutez, même Bible, il y a un mot qui est laïque. Ceux qui sont chrétiens, ils sont mis dans la politique. C'est pour dire que la politique, il y a un mot qui est laïque.
Merci beaucoup. Voilà, Paul Kayinga. Bolanda, ba prière, wana, tomonaki, bande, ba musulman, mwanamboka Mulundu, azali, chef spirituel, église des Noirs, tomonaki, ba pasteur Ebele, église de réveil, église catholique, pezaya qui impliqué, kuna bolanda, ba prière, wana, sima, to continue l'émission na biso. Dans le Père Dieu Tout-Puissant, nous voici réunis en ce lieu uniquement pour implorer ta grâce et ta miséricorde. De partir nous mise dans Ombri ces jours vers la matinée politique. C'est ainsi qu'ils ont pris que toi, le Seigneur Dieu d'Israël, tu puisses être au milieu d'eux. Tout ce qui va se faire ici, Seigneur, nous demandons ta présence. Ne nous laisse pas seuls. Nous voulons que tu puisses demeurer avec nous du début jusqu'à la fin. Par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Papa Gizenga, na monaye, na congrès, ya bako, na kisantu, na ndako ya Monseigneur Kimbondo. Mais quand papa Gizenga baya ki kokota na papa kamitaki, na ba délégation, tata évêque, le premier évêque du Congo, c'était Monseigneur Kimbondo. Alors il nga tata Monse, tata Ndundu, Dimbu Kinayani. Papa Gizenga, Azalina Dimbu, ya tata Simoni ki imba. Yambi yango ko ute pai na yo, nanzela na ye. Ipai nyonso kaka ezalaki. Maloba mabe loba mabe. Louange Allah Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître des jours. Peut-être avant vous, Likamunelikambo. Oye mabili à Congo, mabili à Africa, et si vous pouvez là. La solo, milimo, yaba koko na biso baindo. Likasi yango yo, tu pèse du nom. Voilà une masanga. N'a ni de pisotoji. Nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes pas ici pour nous m'appeler Oyo. C'est qui n'a moins elle est là. Nous allons coller là. Nous qui n'a plus chaud et d'accord, on n'a pas ici. Nous sommes pas là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes nationaliste et mon ana. Pour être le poumou, il y a un temps d'un pisot dans le poumou. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Wana bauti kolanda prière ya ba sali na Nzambe ba utai bipai tobosa pe pasteur Jean Bosco Kindombe kazalaki wana en tout cas ezalaki esengo mamboka Wolf Kimasa ya priaki na cadre église catholique parce que sango azalaki un peu occupé mais yango ezalaki bien. En tout cas, Ezaï Kolimi, ça n'est pas un mot pour la haute boulouba, ba limbisi, ba toi n'en a même pas à impliquer na makambouana. Mais en gros, mais Milulu en gros, banda qui est à qui n'a des discours, Tolanda qui ou en a pour bisou mouin d'abondo, tu sais, pembe, ni zé discours en moi en boca. Antoine Kizenga, j'ai un discours, il y a moi en boca, Lugi Kizenga, ou Azali, secrétaire permanent, porte-parole du parti, Oyebi, qui est Mokonzeza. Antoine Kizenga, tout le monde a un discours. Il y a un mot Antoine Kizenga, qui est un mot qui est un mot Noël Botakile, qui est membre du bureau politique qui a parti du Mumbiste unifié, député, actuellement vice-ministre en agriculture. Il y a un discours qui est un mot continué. Il y a un mot qui a commenté un peu sur Yango. Message Yangoyo. Na fongoli. Signature ya nani? Signature ya nani? Le peuple. Message du secrétaire général, chef du parti. Pour plus d'unité au parti Lumumbi signifié.
camarades militantes et militants du parti Lumumbi Signifié. La République démocratique du Congo, notre pays, fait aujourd'hui face à un défi majeur de son histoire politique. Il s'agit du défi de préserver son unité à l'heure de l'alternance politique à tous les niveaux de la gestion de l'État. Vous le voyez, un tel défi exige donc des uns et des autres une réelle volonté de dépassement de soi pour la sauvegarde des intérêts généraux. Relever un tel défi exige finalement, devrait désormais et plus que jamais, pour plus d'unité et de cohésion au niveau national. Cependant, vous le savez, nul n'est mieux placé à réclamer plus de cohésion au niveau national s'il n'est en mesure d'en réaliser au niveau de sa propre chapelle. Le parti Lumumbi Signifié, parti centenaire, cinquantenaire et aîné des partis politiques congolais, ne pouvait que prêcher par l'exemple. Aussi, en application des dispositions pertinentes de nos textes et documents de base, et comme vous l'avez appris, le 22 janvier 2017, j'ai dû signer la décision numéro PL CGCP 047-2017 du 22 janvier 2017 portant levée de charges, sanctions ou peines de toute nature en cours à charge des militantes et militants du parti Lumumbi Signifié. Il s'agit là, pour le bureau politique et moi-même, d'une amnistie générale au sein du parti Lumumbi Signifié, décrétée pour permettre à tous à se mettre désormais en ordre de bataille pour la réussite de la cohésion nationale susceptible de nous conduire vers une alternance politique crédible et apaisée. À mes yeux, c'est donc là le dernier convoi de la paix pour plus de cohésion au sein du parti que j'offre à tous en perspective de la dynamique du rassemblement des forces lumumbistes de gauche progressiste, objectif nous légué par les pères de l'indépendance. Aussi, et j'ai chargé le secrétaire permanent et porte-parole du parti à matérialiser au cas par cas ce pardon accordé désormais à chaque camarade lumumbiste à se réconcilier avec son milieu naturel, le parti lumumbiste unifié. Yeah, yeah, yeah. Chers camarades, l'unité n'a donc pas de prix. Un Palou plus uni est un Palou plus que jamais prêt pour des victoires politiques à tous les niveaux. J'exhorte donc chacun de vous à bannir définitivement toute initiative susceptible de désunion et à travailler sans relâche pour le bien-être collectif. Vive le peuple congolais plus uni,
vive le parti lumumbiste unifié. Je vous remercie, Antoine Gizenga. Le peuple. Ok, on est dans le discours de mon avocat Antoine Gizenga. De propos, mon avocat Antoine Gizenga dans le discours, on a insisté toujours na unité à l'objet que nous devons porter sur sa vocabulaire. Bana palo. Okokigo placé moi le loba moko na discours ya mwana mboka Antoine Gizenga. Oui, exactement. Na discours wana mwana mboka Antoine Gizenga lobaki que awa tozali na moment moko particulier ya histoire politique ya mboka na biso. C'est pour eux ezali que estengeli unité même ya peuple congolais ezala. Et puis na kati ya discours na ye non seulement ceux qui portent dans la unité au niveau national. Le discours na wena lobaki très bien. Abi mutu o aligni comme ma unité ya mboka asengeli d'abord kozala capable ya kosala unité na kati ya famille politique na ye. Yango wana sikoyo na kati ya discours na lobaki makambo wana c'est pour dire que comme azana makanisi ya kosangisa bana Congo o bazosala rassemblement ya gauche esengeli na ya famille palu unité ezala bomoko ezala pour que et ça a fait beaucoup ya gauche congolaise. Pourquoi pas le peuple congolais? Parce que vous avez dit que le parti lumumbiste est unitariste, non? C'est-à-dire les états fédéralistes étaient unitaristes, ils allaient qu'au sein ils savaient pas trop ma kamola kamola la télé va partir lumumbiste et puis ils allaient pour notre sein ils font notre unité en boucle. Merci voilà mon en boucle à Paul Kayinga a aussi que l'imbola moi commentaire à Sali hein sur la discours mon en boucle Antoine Kizenga. Vous avez vu que mon en boucle Antoine Kizenga il est à son milité toujours dans la création et un bloc politique de gauche et de droite. Il est soutenu par le parti politique. Il est dans l'opposition 5, dans la majorité, il est dans le parti politique. Il est dans le deviner en côté. Il est capitaliste, il est socialiste, il est dans le monde. Il est dans le monde. Il est dans deux blocs politiques et ça, c'est-à-dire la gauche et la droite. Et na yango ezosenga unité na lancer un message il faut dans na palu bango moko bazana uni pour que baninga mususu bazali banda ba parti oyo bazo déclarer ba o bayebi que bazo ba lumumbiste ba ya côté moko pour que ba affronter ba élection discours ya mamboka Antoine Kizenga ezala ki pe na discours ya secrétaire permanent si maona ezala ki pe atanga ki discours hein ezala ki mulai bo souffrir ka bo landango. Togotiana no estre na ngo parce que za tellement mulai bozo ka gu oyo na ba emission ezo ya togotiana ngo mobimba bola na estre ya discours ya secrétaire permanent et porte-parole du parti lumumbiste unifié mwana mboka Luigi Gizenga sima to continuer émission na biso camarades cadres et militants au nom du secrétaire général chef du parti. Nous vous saluons tout en rendant à vous tous un vibrant hommage et à travers vous aux millions de militantes et militants mobilisés à travers notre cher et beau pays, le Congo. Un hommage rendu pour votre indéfectible courage et dévouement pour notre lutte, car rien ne vous arrête, ni même les vicissitudes de la vie. Vous êtes cette minorité brave et agissante, le porte-étendard de la liberté au Congo. Et nul n'a le droit de vous contester les sacrifices consentis par chacun de vous pour le salut de notre nation et de son peuple. Cependant, le peuple congolais n'a même pas encore vu le bout du tunnel de sa souffrance que déjà les vieux démons du passé, ennemis de la démocratie, se réveillent et viennent hanter la vie politique de notre pays, avec son cortège lugubre des victimes de la violence politique et de la misère chronique imposée à notre peuple.
nous, militants du Parti Lumumbiste Unifié, martyrisés jour après jour pour la liberté, nous avons lutté sans relâche, avec mille sacrifices, pour le retour de la démocratie dans notre pays. Mais nous ne nous sommes pas sacrifiés en vain, car à la suite des premières élections du renouveau démocratique congolais en 2006, nous, ensemble avec notre peuple, redevenu souverain, avons entrepris avec détermination et la reconstruction de notre pays avec pour mérite les regains d'espoir dans le cœur des Congolais. Ce travail devait continuer car la tâche était immense vu le niveau de destruction de notre pays par la droite congolaise qui n'a même pas l'humilité de reconnaître ses erreurs. Mais c'est sans compter sur les démons du passé qui ont refait surface pour nous ramener aux événements tristes des premières heures de notre indépendance et qui ont pour conséquence l'instabilité politique de notre pays depuis lors. Une instabilité politique qui a engendré une crise économique indescriptible et chronique pour déboucher à nouveau sur un cataclysme social dont la principale victime fut et sera encore la grande majorité de notre peuple. Nous, militants du Palou, nous avions cru qu'avec le retour de la démocratie, que nous avions, par nos sacrifices, exorcisé ces vieux démons que jadis ont hanté la vie politique de notre pays et qu'il ne restait que la reconstruction du Congo et l'avènement d'une société plus juste grâce au retour de la démocratie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où quasiment tout est à refaire, et nous devons le refaire maintenant, car il n'y a pas de temps à perdre, camarades. Nous, gauche congolaise, et en particulier nous, Parti Lumumbiste Unifié, nous sommes nés démocrates. Nous avons lutté comme tel pour ramener la démocratie au Congo. Et nous restons démocrates pour sauvegarder et consolider cette démocratie contre l'irresponsabilité incontestable des politiciens et dignitaires de la droite congolaise qui non seulement se sont rendus coupables hier de la mort de la démocratie, mais aussi voilà 56 ans qu'ils prouvent au monde n'avoir aucune perspective pour ce pays et son peuple, sinon multiplier des crises politiques dans lesquelles ces politiciens tirent un avantage certain au détriment de tout un peuple. Camarades, c'est en ce moment précis où nous reprenons quasiment à zéro notre lutte pour la consolidation de la souveraineté.